et à Mauritius, les contrôlaient à 51%. Par et à Mauritius Holdings Limited. Comme actionnaire, il y en a 44% gouvernement, 18% SAH. Ce qui veut dire qu'en fait, le gouvernement gagne 70%. Grande majorité. 18% Rogers, 11% Air France, 9% Air India. Donc, ce qui peut arriver dans Air Mauritius, c'est inutile de mettre ça dans les logos, tout ça là. Gouvernement tout puissant. Il y en a une majorité chez Holding, et c'est lui qui nomme Batman Mode. Et comment on dit, le gouvernement, c'est avant tout Premier ministre. Ceci dit, il est clair qu'il sert à niveau de Jagnat. Résultat de son annonce qu'il est allé comme Premier ministre, il mis devant le fait accompli. Vous ne pouvez pas oublier qu'il le 4 octobre, quand il rentre de l'étranger, il convoque réunion et il fait 6 par ligne. Quant à comportement Pravin Jagnath, tout ça, ça fait là, il tout simplement de la lâcheté. Et il peut faire croire qu'il n'a rien à voir avec ça. Alors qu'il s'est clair, qu'il s'est lié et son clan, qu'il fait tout ça, qu'il baise. Et d'ailleurs, quand il y a un moment quand il n'a pas une veille sur la lame, il n'a dit la vérité à Marc, hein, additionnellement à son affaire Air Mauritius. Alors que le pays peut traverser un moment bien, bien difficile, et qu'il a rentré parlementaire derrière la porte, il a 6 ministres et 6 députés à le vagarder à l'étranger. Mais tout ça révoltant, tout ça choquant. Marvin Richard. Ça aussi, vous avez besoin d'y avoir constaté que la population choquée est bien, bien grave. Ils mettent la crédibilité de la police en question d'une façon dramatique. Comme par hasard, la caméra soit en panne, soit une image fou. C'est vraiment hallucinant. Qui, selon mon renseignement, le big boss en question, une famille avec un dirigeant politique du RSM. Mais mon gain l'impression fait brouiller les pistes. Alors, subitement, vous, elle finit, l'Orwan, présumé trafiquant de drogue, à Côtelettes. Mais le fait, ça manque, c'est que ces derniers temps, la police est dégringolée avec un policier trafiquant la drogue, jusqu'à dans Vipsou, Vipsou, responsable de Premier ministre, un suicide avec armes de service répétées. Bizarre revoir beaucoup quelque chose dans la police. Oui, ma complicité à haut niveau. Commissaire de police, lui-même, si bizarre, il m'en a une full commission d'enquête, présidée par un ancien juge de la Cour suprême, qui a seulement toute la crédibilité voulue pour remettre la police sur les rails et rendre à la police sur Van Lette.